Peuple de Dieu, bonjour. Je m'appelle évangéliste Fidèle Cessinou. J'ai la grâce aujourd'hui d'être dans les studios de Patol TV pour une courte exhortation. Je remercie les serviteurs de Dieu qui m'ont fait cette grâce. Et je bénis le Seigneur pour ma présence ici. Je voulais partager cet après-midi avec vous le thème « Tout va bien ». Vous savez, à des moments donnés de notre vie, on s'assoit, on se pose des questions. À des moments donnés de ta vie, peut-être il t'est déjà arrivé de t'asseoir, de pleurer toute seule, de penser si c'était vraiment la fin de tous tes projets, si c'est vraiment la fin de tous tes rêves, si plus jamais rien ne va plus aller de meilleur pour toi. Mais je suis là cet après-midi pour te dire de ne pas t'inquiéter, que ma Bible me dit que tout va bien. Et je lis ce passage dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 23, qui parle de la femme tsunamite. La Bible dit, « Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui, c'est-à-dire vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Nous connaissons bien l'histoire de cette femme, tsunamite. Elle a perdu son enfant. Son enfant est mort. Et quand on parle de quelque chose qui est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie en cette personne-là. Il n'y a plus de vie dans cet enfant. Mais malgré que cette dame, elle a vu son enfant décéder, elle n'a pas perdu espoir. Elle a dit à son mari, au lieu de se lamenter auprès de son mari, au lieu de se lamenter auprès de Dieu pour commencer à pleurer, commencer à être désespérée, elle n'a pas fait cela. Elle a simplement dit à son mari, tout va bien. Elle dit tout va bien parce qu'elle sait qu'elle a un Dieu vivant. Elle dit tout va bien parce qu'elle sait que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Elle dit tout va bien parce qu'elle sait que tant qu'elle vit, il y a de l'espoir. Bien-aimée, peut-être qu'en 2017, tu as eu beaucoup de projets. Peut-être qu'en 2017, tu as planifié beaucoup de choses qui n'ont pas abouti. Mais je voulais te dire ce soir de ne pas t'inquiéter. Parce que tant que Jésus est Seigneur, tu dois toujours te dire que tout va bien. Parce que rien ne pourra changer le plan de Dieu sur ta vie. Ne sois pas désespéré. Ne passe pas le temps à pleurer. Nous savons qu'il y a des moments vraiment difficiles. Peut-être que tu as demandé des choses au début de l'année. Tu as demandé à Dieu. Certains nombres de choses, tu les as énumérées. Si il peut arriver même à des moments donnés, tu as même fait des offrandes pour ces trucs-là. Vraiment jeûné pour ces trucs-là. Et là, on est à la fin de l'année. Tu n'as pas eu de résultats pour ces choses. Tu n'as pas eu une solution pour cela. Mais je voulais te dire ce matin de ne pas désespérer. Ne perds pas courage. Peut-être c'est ton ministère qui est en train de chanceler. Peut-être ce sont tes enfants qu'à l'école, ça ne va pas dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question. Mais laisse-moi te dire que cette dame, si nous montons, au verset 24, la dame dit, puis elle fit sceller l'ânesse et elle dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Alléluia. Cette dame, elle a dit, ne m'arrête pas en route. Je viens te dire que personne ne t'arrête dans tes projets. Que personne ne te décourage. Tant que la Bible dit que toi, tu vas réussir, tu réussiras, bien-aimé. Ne laisse pas le découragement t'arrêter. Ne laisse pas les murmures, les critiques t'arrêter. Si vraiment Dieu t'a révélé son plan, si vraiment Dieu t'a dit, mon fils ou ma fille, ce ministère t'appartient, ou mon fils ou ma fille, je te donnerai cet homme en mariage peut-être. Toutes les promesses possibles de la Bible. Ne pense pas que voilà, 2017 est passé, rien ne s'est produit. Du coup, je vais baisser les bras et je vais m'arrêter en pleurant. Ne t'arrête pas. Que rien ne t'arrête. Que le découragement ne t'arrête. Que les soucis de ce monde ne t'arrêtent. Parce qu'après tout, dis-toi que tout est éphémère. Mais tant que la parole de Dieu subsiste, tes projets subsisteront éternellement. Tes projets vont réussir au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, bien-aimé, que Dieu n'a pas formé un plan de malheur sur ses enfants, mais plutôt des plans de bonheur. Et le plan de bonheur de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu pleures. Le plan de bonheur de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu t'arrêtes en plein chemin. Reconnaissons que la vie est difficile. La vie est compliquée avec des problèmes. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans tous nos projets que nous entreprenons, c'est compliqué. Des fois, on pleure toute seule.
Des fois, on se dit, mais Dieu, il ne me répond plus. Mais comment se fait-il que quand j'étais dans le monde, ma vie n'était pas comme ça? Et là, je suis rentrée en Jésus. Et tout a changé. Les choses vont de mal en pis. Laisse-moi te dire que ça ne va pas de mal en pis. Mais Dieu, il attend le moment opportun pour te répondre. Il attend le moment juste pour guérir ta blessure, pour guérir ta plaie. Il attend le moment juste pour ressusciter tout ce qui est mort en toi. Et toi, la seule chose que tu dois faire, ce n'est pas de baisser les bras, mais c'est de persévérer dans la prière. C'est de persévérer dans la prière. C'est de persévérer dans les supplications. De te reconnecter avec le trône de grâce. Vous savez que Jésus, il est venu dans ce monde, mais pas pour rien. Il est venu, il a dit que tout était accompli. Et tout est accompli, bien-aimé. Pourquoi tu te lamentes? Dis, il faut prophétiser, il faut confesser. C'est ce qui sort de ta bouche. La Bible dit que c'est, la Bible dit que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu passes le temps à dire, ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher, je ne sais pas ce qui m'arrive, bien-aimé, tu ne sauras jamais ce qui va t'arriver. Mais je voulais te dire d'être toujours positif. Tant que tu as la parole de Dieu en main, ne désespère jamais. Tant que tu as Jésus en toi, ne désespère jamais. Continue à creuser. Continue à creuser dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications. Ne désespère pas. Et confesse toujours que tout va bien. Cette dame, elle a confessé, tout va bien. Elle a dit à son mari, tout va bien. Au lieu de pleurer, au lieu de gémir, elle a dit, tout va bien. Et à la fin, tout est allé bien pour elle. Elle a dit, tout va bien. Elle a dit à son serviteur, ne m'arrête pas en route. Parce qu'elle sait que c'est un long chemin qu'elle a à entreprendre. Quand on dit qu'il n'y a plus la vie en quelque chose, c'est un long chemin. Il faut que cela revienne en vie, quelque chose qui est mort. Je prie pour toi ce soir, que tout ce que tu penses qui est mort en toi retrouve la vie au nom de Jésus. Je dis tout ce que tu as perdu en 2017, que tout revienne en vie au nom de Jésus. Parce que tu as le maître puissant, ton maître Jésus. Et comme le dit un serviteur de Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs ou des servantes de Dieu, mais nous sommes des partenaires de Dieu. Et quand on épouse Christ, tout ce que Christ a nous appartient. Bien-aimé, si tu as épousé Christ, laisse-moi te dire que tout va bien. Pour moi, en tout cas, tout va bien. Même dans les problèmes, tout va bien. Parce que je ne vais jamais désespérer. Je sais que celui qui me conduit, il ne chancelle jamais. Celui qui me conduit, moi, je peux chanceler à des moments donnés, mais lui, il ne va pas chanceler. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est quelqu'un tant que tu traverses. Je ne sais pas le temps que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que si 2017 a été une année de pleurs, de lamentations pour toi, 2018 ne sera pas comme ça au nom de Jésus. Il faut épouser Christ, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait. Épouse Christ. Si tu l'épouses, tout ce qu'il a, cela t'appartient. Non seulement tu auras la vie, tu auras le succès, tu auras le bonheur, tout ce qui te manque, Christ te redonne tout parce que tu fais partie désormais de son royaume, parce que tu fais partie désormais de lui, tu es son corps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ne désespérons pas. La marche continue. Continuons à prier, continuons à marcher, continuons à parler de Dieu, continuons à montrer la vraie image de Jésus au travers de nos vies, au travers de nos manières de parler. Le désespoir n'est pas au rendez-vous. Le découragement n'est pas au programme pour les chrétiens. Nous sommes victorieux, nous marchons dans la victoire. Avant même que le combat n'arrive, nous avons déjà gagné. Et pour cela, je vous exhorte, frères et sœurs, à vous accrocher. À vous accrocher. Les temps sont difficiles. Nous passons des derniers temps. C'est les derniers moments que nous sommes en train de passer. Les choses vont de mal en pis. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à la croix de Jésus. Ne lâchez pas. Quels que soient les moments que nous traversons, quels que soient, même dans les lamentations, dans les grincements de dents, quand tu regardes la croix de Golgotha, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur, ta parole m'a dit que tout est accompli. Pour cela, je me lève et je dis que tout va bien. Et je veux que tout aille bien pour toi, bien-aimé. Que rien ne t'arrête en chemin, que rien ne t'arrête dans tes projets, que les soucis de ce monde ne t'arrêtent, que les pensées ne t'arrêtent. Que ton voisinage ne t'arrête. S'ils veulent t'arrêter, tu leur dis dans ma vie, tout va bien. Et je ne veux pas que quelqu'un m'arrête parce que tu as ton objectif. Et quand tu vises l'objectif, bien-aimé, avec Christ, tu réussiras toujours. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Et que vous traversez l'année
avec le bonheur, le succès, et surtout dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, selon la parole de l'Éternel, et tout le reste deviendra facile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prière sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites les 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur www.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, les cœurs de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement
pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville des Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku Talababuti, Toku Salamakambo, Kisika Yakulala, Memonana. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazubinga bino, boleka na Partol TV, poete totombola lisusu, yesu ya benga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Partol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Oh Nathalie, c'est yo Jésus, consolateur yamité. La vie ici sur Terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent. Elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu. Votre vie a été brisée, la mienne aussi. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Une émission de la prophétesse Grace Betty Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction, de la souffrance au pouvoir. Car elle-même a connu les situations les plus ignobles et malheureuses de la vie. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactol TV. La prophétesse Grace Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus-Christ dans sa vie. Elle veut que Jésus-Christ entre dans la vôtre pour que ça change. Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié. Il faut que ça change. C'est sur Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine, la chaîne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel des confiances. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Telecom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.